Hello, salut les cocos! On se retrouve pour la suite de Pumpkin Jack. Qui est franchement un jeu qui n'a rien à envier aux autres. Oh, il y a un chemin secret. Vous avez vu? Je découvre les chemins secrets pour vous. Hey Jack, salut! C'est fou qu'on arrête pas de se tomber dessus dernièrement. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu ne vois pas que c'est de la... que c'est la guerre? Une guerre entre monstres et humains? Comment voulais-tu que je résiste? Partout où tu regardes, il y a de nouveaux clients. D'un côté, des cadavres tout frais de l'autre. Au milieu de tout ça, il y a moi qui m'apprête à liquider la concurrence. C'est malin. Tu veux voir mes nouveaux articles? Tu ne trouveras pas de look plus frais ailleurs. Bon, j'ai déjà acheté ça, donc finalement, voilà. Le prochain, il est à 30. Il m'en reste que 2. En vrai, celui que j'ai, c'est le plus potable. Regardez, il y a ça. Sinon, je peux être en pyjama, en cowboy raté ou en Spider-Man maintenant. Regardez ça. Il n'a pas de crâne rouge par hasard derrière lui, non. Oh shit! Je m'attendais pas à ça, moi. Attendez, sniper plus bombardement de zone. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup, là, non? Ah. Ceux qui auront la référence. Là-haut, le gars. Oh putain. Fuck! Il me fait chier cette barrière. Attends, c'est quoi ça? Il sort d'où lui? Oh shit. Mais non, mais... Ouf, ça fait mal, hein. Bon, je dois attendre un tour. Non! C'est bon, je suis protégé là. Oui, je suis protégé. Quoi? Oh, c'est une réaction en chaîne. Ok. Brûle, bébé, brûle. Oh, désolé. Je me suis laissé emporter. Et voilà. Oh non, le bateau. Le retour du bateau. Première fois que... qu'on doit utiliser deux fois le même véhicule. Hein. Tiens, regardez qui voilà, le radin qui... Ah non, c'est pas vrai ce que je dis en fait. Le wagonnet, on a fait plein de fois. Le radin qui oublie, soi-disant, de laisser un pourboire au passeur. Personne n'a réglé ta traversée à l'avance cette fois-ci, Jack. J'espère que tu as pensé à amener ta bourse. Non, j'ai amené mes bourses. Pardon. L'entrée... Quoi? L'ertainement? Ah non, certainement, c'est un C. Ok, c'est un C. Certainement, je te laisse choisir entre 5 doigts dans la face ou m'emmener là où tu veux. Tu n'as pas volé ton surnom, Jack le Radin. Très bien, j'accepte de te faire passer. Putain, il est facilement négociable, lui. Mais sache que je mets ça sur ta note. Il est facilement convaincu. Oh merde, oh quoi? J'avais oublié tout ça. Oh, ils vont me faire chier ceux-là. En plus, je peux pas les viser avec mon corbeau. Ah.
C'est bon, lui, je l'ai eu. Quand ils sont pas trop loin, ça va. Cette esquive. Oh merde. On dirait le vieux fou qui sort de son bayou. Dès qu'il y a des, qui a la rage contre les moustiques. Oula. Ah voilà, c'est fini. Ah merde, je dois passer par là, moi. Mais vous foutez de ma gueule. Je pouvais passer par en haut, je comprends rien. On a des navires, comment ça? Ah là. Attention, c'est parti. Là, il faudrait une musique des marécages, une musique du bayou. Avec le vieux avec son shotgun là. Oh. Bon, on est arrivé. Ton dernier trajet gratuit, espèce de rapia, la prochaine fois faudra payer comptant. Merde, c'est là-bas, toi. Ah merde, c'est la suite. Je pensais que c'était un bonus. Là, c'est un bonus par contre. Et là, sûrement aussi. Pas mal, pas mal. Là-bas, on a été. Oui, c'est de là qu'on vient. Ok. On va faire ça. Merde. Encore. Ah, je viens de voir que ça fait monter la lanterne derrière, il faut la faire monter tout en haut. Ah, et puis si je vais pas assez vite, elle redescend. Ok, tout le challenge est là, j'avais pas vu. Ouais. On va aller là.
Ok, des explosifs sous le pont. Je présage ce qui va se passer. À gauche ou à droite? Où est-ce que tu vois qu'il y a deux chemins? C'est pas un chemin là-bas. Ah oui, on peut sauter de barque en barque. Bon, je vais rester en haut et puis si je vois qu'il faut descendre, je descendrai. Oh merde. C'est tout, on barre le passage. Jack, tu crois pas que... Tu sais ce qu'il reste à faire? Oui, je sais ce qu'il reste à faire. Ouf. ! 15 sur 20. On est en train de passer notre bac. Oh, réaction en chaîne. Revenons sur nos pas et trouvons un moyen de traverser. Ok. Parce que là, y a rien. Là, y a rien, en effet. Merde! Oh non, c'est bon. Alors... Oh merde! C'était là. Ouais, c'est chaud là, attends. Oh, j'ai voulu tenter, mais c'était un peu... C'était un peu serré, hein. Le timing était un peu serré. Je peux aller là-bas en face? Non, 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 je pourrais pas aller là-bas en face. C'est trop loin. Oh, merde. Je pensais qu'il s'accrochait, mais non. Mais non. Pop, 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 pop. Tantana. C'est reparti. Oh! C'est trop loin. Mais quel génie, je me suis pas fait toucher. On l'a peut-être oui. Hein. Eh non. Cette planche ouverte là. J'ai pas raté des crânes rouges. Je sais pas. Tout ça pour traverser le pont en fait. Eh oui. Exactement. Wow. Ça sert à rien. J'ai cru que j'avais trouvé un secret. Pas du tout en fait. La grande ville par contre, elle est moins bien conservée que ce que je pensais. Tu vois où une ville? J'en vois pas.
crois que je l'ai gardé le shotgun tout le long du jeu. Hein. Enfin, une bonne guerre. Qu'est-ce qui se passe ici, tête de plume? C'est l'enfer sur terre, là. À ton avis, Jack, tu as devant toi les effets de la malédiction du diable. Les monstres donnent la chasse aux humains. Ouais, aussi à moi. J'arrive pas à croire que ces monstres débiles continuent de me prendre pour un humain. J'ai peur que ce soit ton problème et pas le mien. Fais-toi plaisir et tue-en autant que tu veux. Ils sont en sous la centaine. Mais je perds pas de temps, Jack. Je ne perds pas de temps. Il faut qu'on traverse cet endroit le plus vite possible si on veut avoir une chance de rattraper ce fichu sorcier. Ah mais je suis en train de tuer les monstres envoyés par le diable en fait. Mais c'est un peu con parce que je suis du côté du diable. Wow shit. Oh ça fait mal ce que j'ai envoyé là. Sur 20 quoi. Autant dire qu'on les a tous. Je comprends pas la logique derrière ça. On rapproche un chariot de d'autres caisses et il explose. Il y a des rats dans le coin et c'est même pas le genre de manger. Oh shit. Ah, il y en a beaucoup. Putain, j'adore. On a l'impression d'être un vieux chasseur avec son fusil de chasse là. Ouais, pourquoi j'irai là-bas? Pourquoi j'irai là? Ah, pour aller là. Ok. Oh merde. Voilà, le sniper. Ouf, le sniper est. Ouf, ça fait mal ça. Bon bah voilà. Plus là. Putain, les citrouilles ne sont pas mortes en un coup. J'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, mais que toutes les armes font le même nombre de dégâts. C'est juste tu choisis ton style de combat quoi. Encore eux, encore la course de chariot. Bon, vas-y. On a vraiment pas été bon là, c'est pourtant pas dur de monter la garde. Jerry va nous tuer. C'est pas notre faute, comment on aurait pu savoir que Jerry avait été promu juste parce que le capitaine a sauté? Ne vous inquiétez pas les gars, c'était pas si grave. Tant qu'on fait ce qu'il faut faire pour que rien ne franchisse ces portes là. Oh, vous êtes vraiment pas doué pour monter la garde. Pour garder quoi que ce soit. Elle est de retour, le monstre de tout à l'heure. S'il arrive à passer ses portes aussi, là on risque d'avoir des ennuis. Eh ben restez pas planté là, au chariot. On commence. Se dépêche d'aller fermer les portes. Quoi encore, d'accord, comme vous voulez. C'est vraiment pas logique. Il monte la garde à 5 km de l'endroit où ils doivent aller. Et dès que j'arrive,
Il se dépêche d'y aller en chariot. Il y a un truc pas très logique là-dedans. Oh yes. Oh yeah, putain, ils sont tous fracassés. Putain, il y a deux chemins. Putain, c'est magnifique comme c'est moi qui ai la prio. C'est moi qui décide si je veux les cracher ou pas. Par contre, c'est un mystère comment mon perso contrôle son carte. On ne saura jamais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de direction sur ces machins. Merde, mais putain, il me dépasse tout le temps. Si l'arrivée est là, je suis dans la merde. Hein. Vraiment. C'est bon. C'était facile. Tu as réussi, Jack, si seulement j'avais parlé avant le début de la course. Un parier. Ah, ok. Ouf, ça sent l'arène de boss, ça. On en est à 21 minutes, ben vous savez quoi? On va se garder ce boss pour la prochaine fois. Alors, voilà. Ce jeu fait le taf, franchement, c'est... Je m'y attendais à ce que je puisse pas tomber là-dedans. Mais bon. Ce jeu fait le taf, hein. Franchement, c'est bien. C'est distrayant, voilà. Allez. Bon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour le boss, hein. Ça marche? Allez, à plus.